Sortez, 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 Ivoirien. Peuple d'Afrique de l'Ouest, écoutez ça. Quand on parle, ils pensent qu'on doit aimer Alassane Ouattara comme si nous sommes dans une nation matrimoniale. Alassane Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire, a pillé la Côte d'Ivoire et a mis la Côte d'Ivoire à genoux. On écoute ici le PPACI qui est sorti. D'abord, on l'a dit cette fois-ci là, il laisse pas Ouattara. En 2025, là, Ouattara va partir. On écoute ensemble, c'est important pour les Katina. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a l'air des tarifs au niveau des ménages les plus bas, comparé donc dans la sous-région. Partagez. Mais au niveau des entreprises, la Côte d'Ivoire a l'énergie la plus chère de la sous-région. Hein? Elle a l'énergie la plus chère. Je vous donne les chiffres. La Côte d'Ivoire est à 2,235 $ l'unité du kilowattheure. Les énergies du Burkina et du Niger, pardon, du Nigeria, pendant ce temps, est 2,025 $. Ça veut dire quoi? Que pour l'électricité, c'est le facteur de production le plus important. Ça veut dire que pour fabriquer une paire de chaussures en Côte d'Ivoire, vous partez déjà handicapé du fait que le coût de l'électricité est plus élevé, 10 fois plus élevé qu'au Nigeria. Même notre voisin de Ghanéen, sur ce point, en ce qui concerne l'électricité des entreprises, ils sont la moitié, ils sont à moitié prix par rapport à nous. Nous sommes à 2,235 et ils sont à 2,107. Donc, dans une économie de compétition, si les facteurs importants, tels que l'énergie est élevée, vous comprenez que vous ne pourrez pas faire la compétition. Et quand vous prenez ça au niveau mondial, vous regardez les pays comme la Malaisie. Logiquement, on devrait pouvoir être, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire dans son niveau de développement, devrait se dire, bon, nous sommes plus ou moins au niveau de la Malaisie. Mais leur énergie, l'électricité est 10 fois moins chère que la nôtre. Donc, il y a fondamentalement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ça, c'était avant l'augmentation. Mais l'augmentation de l'énergie est liée à quoi? On nous dit donc que pour... on a dit donc que nos factures qui sont passées de... Ils ont fait 20% de chacun de nous a reçu sa facture. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul. Si c'est 20%, enfin, en tout cas, en fait, on fait la même, elle a doublé. Elle a doublé. Elle est passée de 5 au double. Et on croit que c'est de façon générale. Mais rassurez-vous, si le gouvernement parmi les législatifs dit que c'est parce qu'il a fait chaud à un moment donné, que c'est parce que la chaleur était là, il a fait chaud, on a arrivé suffisamment, comment on appelle, les climatiseurs et ainsi de suite. Ok. Mais ceux qui sont au village, qui n'ont pas les climatiseurs, qu'est-ce qu'ils expliquent alors pour eux leur augmentation? Non, mais pas loin. Tout ce qui se passe aujourd'hui est lié à notre dette. Le programme que le PPA, le gouvernement a signé avec le FMI a mis un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditionnalités, il fallait supprimer la subvention de certains produits. Et on leur a demandé qu'il faut absolument relever le taux de la pression fiscale. C'est-à-dire qu'il faut maximiser au maximum les recettes fiscales. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand vous augmentez les recettes de 20%, vous augmentez automatiquement votre TVA, les recettes de votre TVA de 20%. Puisque la TVA est assise sur le chiffre d'affaires. Lorsque vous augmentez le chiffre d'affaires d'une proportion, c'est la même proportion que vous augmentez les recettes de la TVA. Donc sans faire d'effort, alors qu'on attendait d'élargir plutôt l'assiette de façon horizontale, sans faire d'effort, c'est plutôt une augmentation, c'est-à-dire un élargissement à l'horizontale. C'est-à-dire on garde les mêmes chiffres, mais on augmente les tarifs et puis ça permet donc d'accroître les recettes fiscales. C'était la même chose qui avait justifié la fameuse data il y a un an, où ils voulaient augmenter. Ils ont même voulu demander à la CIE de faire des facturations mensuellement. Oui. Parce que si vous faites mensuellement, évidemment, l'exigibilité de l'impôt de la TVA est mensuelle. Si vous attendez chaque 2 mois, vous attendez 2 mois. Or, les obligations de l'État fiscal s'imposent sont qu'on n'a pas le choix, on est obligé donc de leur demander. Donc, les exigences sont telles que la pression est tellement forte qu'il n'y a pas d'autre solution que de demander à certains opérateurs de réduire les délais d'émission de leurs factures. Simplement, la TVA n'a pas cédé parce que ça va changer toute sa logistique. Sa logistique, c'est chaque 2 mois. Si vous voulez faire ça chaque mois, évidemment, ça pose un problème, ça soulève un autre problème. Donc, ils n'ont pas cédé. Mais les 2 mois, là, en tout cas, nous allons baver parce que pendant ce temps, l'électricité va continuer d'augmenter. L'électricité va continuer d'augmenter. Et quand
quand nous disons que c'est la mauvaise gouvernance qui nous a envoyé, les gens pensent que nous faisons du procès d'intention ou alors une chasse sorcière, nous sommes tellement obsédés que nous ne voyons pas. Mais la réalité, elle est là. La réalité est là. Si les mêmes problèmes que nous avons connus avant 2012, avant le PPD, si c'est les mêmes problèmes qui surgissent, ça veut dire que vous n'avez rien fait des acquis sortis donc du PPD. C'est tout simple que ça. C'est tout simple que ça. Donc, nous sommes en train de prendre, Ouattara a échoué, de recevoir en plein fouet, en plein visage, la politique d'endettement incontrôlée qui a été faite. Il faut rembourser. C'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la dette intérieure, enfin, ils appellent la dette intérieure, mais les bons du trésor, il y a certains bons du trésor qui sont arrivés à échéance, qui devaient être payés. Mais l'État n'a pas les moyens, à tout simplement demander aux investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qu'il y en a, on ne va pas citer leur nom, on les a obligés à prolonger donc leur souscription. C'est là où ils nous ont dit non, 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 attendez, votre échange a lieu, achetez 2 ans là-dessus, achetez 2 ans là-dessus. On vous oblige donc à faire la souscription. Nous sommes dans une situation extrêmement délicate et difficile. Et c'est ce que nous vivons au quotidien, et ce qui explique le coût de l'électricité qui va s'employer. Et comme je vous ai dit, quand l'électricité augmente au niveau des entreprises, mais la conséquence au niveau donc des coûts de la vie, de la production, les produits de consommation, automatiquement ça augmente. Ça augmente. Si moi je suis désolé à compter des logements, vous augmentez ma facture, d'ailleurs, je vais vous trouver le même logement. Je n'ai pas le choix. Donc on a un des problèmes. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, dans ses engagements, a fait de l'électricité. Partagez la vidéo, c'est une bataille. C'est une bataille qu'on va gagner. Et pour la gagner, il faut que nous retenions la politique de l'énergie conformément à notre vision à la fois souverainiste et patriotique. Chers amis, nous sommes en train d'aller vers une étape, le monde est en train de se faire une reconfiguration du monde qui est devant nous. Mais elle aura forcément des incidences sur notre vie. Elle aura forcément des incidences sur notre vie. Ça suppose qu'une politique d'énergie, elle doit s'inscrire, elle doit s'organiser, elle doit s'articuler en fonction de notre vision, en tenant compte de ces exigences-là. Par exemple, nous pensons qu'il n'est pas possible de continuer à travailler sans qu'il y ait, pardon, dans ce pays-là, des stocks de sécurité énergétique, notamment au niveau du pétrole. Ce n'est pas possible. Parce que la crise de l'Ukraine, rassurez-vous, telle qu'elle est faite, elle ne va pas finir demain. Là, rassurez-vous. Parce que les Occidentaux veulent que la Russie tombe, la Russie n'a pas envie de tomber, bien évidemment, ça va perturber le système économique encore pour longtemps. Et c'est pas la dernière crise. Vous savez ce qui se déroule aujourd'hui au niveau des villes de Taïwan, entre la Chine et les États-Unis. Le monde qui organise, on ne peut plus diriger le monde à le paradigme de 1090. Donc, nous, notre politique énergétique, il faut qu'elle soit adaptée à cela. Elle doit être également. Elle va tenir compte de ce que la nature nous a offert. Il faut que nous formions aujourd'hui les leaders de demain à la politique qui est politique d'énergie, qui tient compte de ce que la nature nous donne, nous offre. C'est vrai qu'on a du pétrole ici, mais vous savez dans quelles conditions on n'a pas de pétrole. À peine 10% nous revient. On ne peut pas continuer avec ça. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir. Deuxièmement, il faut refaire le rapport. Il est important qu'on s'inscrive également dans une logique parafricaine. Les problèmes d'énergie là, elles sont partout. Ils sont partout les mêmes. Il est important qu'à ce niveau-là, que nous puissions réfléchir dans le cadre donc, de la CDAO, à toi dans un cadre intégré, comment nous faisons une sorte de péréquation de nos efforts pour gérer les questions énergétiques. Ce sont des questions géostratégiques majeures dans les prochaines années. Il ne faut pas qu'on se cache. Ce sont des enjeux géostratégiques majeurs. Ouattara a échoué. Et non, à la fin, Ouattara a échoué. La réorganisation de notre système de production de l'euro doit tenir compte de cette donne-là, du monde qui est en train de changer, et qu'on ne peut plus s'asseoir et dire bon, nous avons fait les concessions, nous avons continué à les privés. Les secteurs clés de notre économie doivent être redéfinis et réorganisés et remis dans les mains de l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Le marché n'est plus régulé, c'est là. Les populations en souffrent, elles sont fatiguées du coup.
Il est temps que l'on puisse les soulager. L'économie, ça a échoué. Quand on a fini de dire ça, on fait le lien, parce que c'est le bon point, qui est la méthodologie. Mais pourquoi nous faisons ce lien? Parce que dans la réalité, qui parmi vous, autant nous sommes assis et qui nous écoutez, a un contrôle sur son compteur de courant? C'est honnêtement, qui a un contrôle là-dessus? Un matin, tu te dis, bon, tu es passé à tu as consommé 500 mégawatts. Entre deux compteurs, l'un d'eux tournait plus vite, consommait plus vite que l'autre. On n'a aucun moyen. Mais pourquoi on n'a pas de moyen? Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, depuis les abords du second pouvoir, qui est la question de la chef de vie avec la technologie, depuis 1962, ce pays comme était un pays qui a eu beaucoup, qui avait de l'ambition, qui était organisée. Depuis 1962, la Côte d'Ivoire a eu une politique de météorologie. Mais la météorologie, c'est la science des mesures. C'est-à-dire qu'il faut mesurer la science des mesures. C'est-à-dire qu'il permet de savoir que quand vous allez prendre un litre d'essence à la station, c'est vraiment un litre qu'on a mis dans votre voiture. Quand on dit que vous allez consommer un kilowattheure, on vous a facturé un kilowattheure, il faut que ce soit sûr que ce soit vraiment un kilowattheure qu'on vous a facturé. Or, à ce niveau, nous avons un problème. Le premier problème du fait de l'électricité, c'est que le ministère du commerce, qui a la science et la technicité pour faire ce contrôle, n'a pas de main sur les compteurs d'électricité ou les compteurs d'eau. À la barre. Ils n'ont pas de main là-dessus. Or, ils sont censés, le gouvernement est censé, chaque année, chaque fois qu'on envoie un instrument de mesure qui arrive nouvellement, ils sont censés savoir est-ce que cet instrument de mesure rentre dans les données légales de la Côte d'Ivoire, est-ce que cet instrument de mesure là correspond aux instruments de mesure en Côte d'Ivoire, aux unités de mesure. Deuxièmement, est-ce que lorsque on les met en application, il n'y a pas il n'est pas avalé, il n'y a pas de risque d'avaler là-dessus. Sur ce point, c'est une question tellement importante que lui et moi a été obligé de demander au pays d'organiser la méthodologie dans notre pays. On peut vous dire, on a subventionné le pain, c'est 230 grammes. Honnêtement, les batteurs du pain, qui est convaincu qu'une batteur fait 230 grammes réellement? Question. Qui peut dire le croissant qui est sorti de telle pâtisserie ou de telle boulangerie et le. A le même volume et le même poids que tel autre poisson sur tel autre boulanger. Seul le ministère de la Constitution, le ministère du Commerce, a cette compétence pour faire de la méthodologie. Elle opère de trois façons. Dans la plusieurs éléments, on va parler de la méthodologie légale, c'est-à-dire c'est juste fait conformément à la loi. Il y a d'autres techniques, méthodologie scientifique et tout de suite, on ne va pas rentrer dedans. Lorsque, je vous donne un exemple, lorsque la CED a envoyé les quatre prépayés, mais personne n'a vérifié, encore le gouvernement n'a pas été capable de vérifier est-ce que ces quatre prépayés là dans leur consommation, ça alignait sur la consommation, sur le système qui avait été qui existait. On a mis une articulation comme ça. C'est la même chose même dans le téléphone. On dit, bon, tu as chargé 10 000 francs de charge. Un matin, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais c'est tout ça qui m'a dit d'acheter la vie. C'est tout ça qui m'a dit d'acheter la vie. Et donc, comme ce pays-là a une particularité, depuis ce régime est arrivé, le contrôle était fait par le ministère de la construction, du commerce. Et en 2019, il décide de procéder ce travail-là. De faire une concession avec une société qui s'appelle Système Côte d'Ivoire Météorologie, fondée par un ancien ministre du Commerce, du temps glorieux de la rébellion. Et c'est à lui qu'on a concédé ce travail-là. C'est à lui de se promener pour contrôler les mesures, les instruments de mesure, y compris les balances dans les marchés,
les bascules, les pompes à essence, chez le boutiquier qui sert l'huile là, en détail, tout ça, on lui a conseillé ça. Mais quelqu'un qui n'a pas mis la technicité, qui n'a pas le personnel qu'il faut, c'est-à-dire qu'on arrache ça des mains d'une structure de l'État, on donne à un privé. De sorte que, chers amis, depuis 2019, il n'y a plus de contrôle sur les instruments de mesure en Côte d'Ivoire. Parce qu'après il a commencé, il a eu des problèmes avec les pétroliers. Parce que là où l'État fait le contrôle et fixait ce contrôle à 10 000 francs, lui il est facturé à 120 000 par contre. Et les pétroliers disent on ne peut pas, il y a une crise éprouvée. Et l'État n'a pas pu réagir. L'État n'a pas réagi. Donc aujourd'hui, même les prix pour lesquels ils ont plafonné, pour lesquels ils disent avoir plafonné les coûts, la question de la quantité et la qualité des produits servis pose problème. Ça pose problème. Depuis 2019, donc, nous sommes dans un pays où les instruments de contrôle ne sont pas. C'est pourquoi vous verrez que la CIE peut se trouver avec des factures du jour au lendemain augmentées, triplées, doublées, parce qu'il n'y a plus d'instruments de contrôle. Mais à quoi ça sert? Parce qu'une concession, quand on l'a fait, c'est pour améliorer la qualité des services. Mais si vous faites une concession et que finalement elle vous dessert, pourquoi vous la faites la concession? Pourquoi vous le mesurez cette concession-là? Je ne sais pas si le chef d'État est au courant, mais ici, on informe que dans ce pays-là, les instruments de contrôle ne font plus l'objet de contrôle. Les instruments de mesure ne font plus l'objet de contrôle. Donc, dans un sac de riz de 25 kilos, on ne sait pas ce qui se passe de 5 kilos. C'est de 3 kilos. C'est de 3 kilos. C'est de voilà la situation dans laquelle nous sommes. Comment le gouvernement a démissionné et les gens défendent devant les diplomates? Donc, ça ne sert à rien de dire nous avons plafonné les prix, mais si vous plafonnez les prix et qu'on diminue les quantités, bon, ça revient à la même chose. Le débat il est clair, le débat il est clair. Un économiste qui a été vanté, qui a été chanté à coup de vuvuzela, de klaxons, de tambours, de tam-tam, et j'en passe, d'orchestre, quand il a redressé l'économie du Japon, de la Chine, de Corée du Sud, Corée du Nord, Kuala Lumpur, Indonésie, partout, mais qui est capable de redresser l'économie de son pays, qui a surendetté son pays. Une dette abyssale, colossale, qui sera payée par les enfants et petits-enfants de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne payera pas. Voici le constat clinique de l'échec patent de M. Ouattara. En 2025, Ouattara va partir. Partagez la vidéo. Je rajoute également le lien de mon compte Telegram. Abonnez-vous à mon compte Telegram. Merci beaucoup.